Et bonsoir à tous et bienvenue sur cette vidéo du tournoi des Trois Royaumes, troisième épreuve, l'épreuve de dessin. Bonsoir Matt. Bonsoir à tous. Comment tu vas? Bah bien, ça va très très bien et toi? Ouais, ça va, nickel. Donc ce soir, on se retrouve pour voir les dessins des participants qui ont participé à cette épreuve, forcément. Mmh, et tout à fait. Donc nous avons Chris98 qui a participé. Tout à fait. On a Servietsky. Mmh. On a Sansa qui a participé. Sansa qui a participé. Voilà. Bah écoute, je te propose qu'on regarde tout de suite les dessins et on dise ce qu'on en pense. Et puis fin, on dira qui est le fameux vainqueur. Voilà. Moi, je pense que c'est une bonne façon de faire. Ouais, allez, ça marche. Allez, hop, attention, switch d'écran. Donc, premier dessin, on va regarder le dessin de bison de Christophe. Qui nous a envoyé... Alors le truc, c'est qu'il ne peut pas envoyer vraiment de fichier correct avec son PC. Donc il a pris une photo de son bison. Ouais. Qui est un bison pour moi qui sort des grottes de Lascaux. Oui, voilà, c'est à peu près ça. C'est un peu ce que je me suis dit aussi. Ouais, ouais, j'ai pensé aux grottes de Lascaux. Alors je me suis dit peut-être que ça évoque quelque chose. La queue montée vers le ciel, la tête baissée. Ouais, ouais, bah... Il y a quand même un espèce d'effet de puissance, tu vois. C'est vraiment, on voit la tête baissée vers le bas, comme ça, tout ça, mais c'est franchement un dessin dégueulasse. J'avoue, il est pourri. Désolé, Christopher, mais. Je te jure, mon pote, je t'aime beaucoup, mais là. On peut rien faire du tout. Là, je peux pas, là. C'est pas possible. Mais il y a de l'idée, il y a de l'idée par contre, il y a de l'idée. Ah oui, il y a de l'idée, il y a de l'idée, mais on sait pas d'ailleurs si c'est des cornes ou des bananes qu'il a sur la tête. Il a de tout petits mollets, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo, bon, c'est rigolo. On va dire que ça mériterait beaucoup plus de détails. Ouais, voilà, ouais. Ça mériterait plus de détails. Par contre, la posture tête baissée, corne en avant, je la trouve assez intéressante à côté de ça. Ah oui, grosso modo, franchement, c'est... Ben, on voit très bien que c'est un bison quand même, c'est pas... Voilà, oui, voilà. C'est assez bien. On n'est pas là pour rigoler. Passons à son dessin suivant, si tu le veux bien, qui est la maison du corbeau. Qui est... qui est un peu plus drôle. Alors celui-là, il nous a vendu du rêve. Ah putain, mort. Celui-là nous a vendu du rêve, franchement. Alors, on s'y attendait début, pas. J'ai cru que c'était une vieille bossue qui avait un masque. Je dis, qu'est-ce que c'est? Ah non, mais celui-là vraiment nous a vendu du rêve. Le petit bec, franchement, ouais. Je l'ai montré à quelques personnes. Ils m'ont dit, mais c'est quoi? J'ai dit, ben tu vois pas, c'est un corbeau là avec le bec et tout. Il dit, mais il est où le bec contre... J'ai dit, mais à droite, il est là le bec, quoi. J'ai vu le modèle. Parce qu'il a recopié un modèle qui est en pixel art, et je te jure que ça se rapproche du modèle quand même. Ah oui, le franchement, c'est du pari au même, hein. Voilà, il a bien refait, quoi. Franchement, il l'a bien fait, mais ça va pas, quoi. Alors, ce qui est assez rigolo, si tu veux, dans le truc, c'est... Putain, j'en chiale. Moi aussi, c'est dégueulasse. Mais si tu veux, dans l'absolu, le dessin, bon, fait pas trop écusse. On voit pas du tout, mais il fait pas méchant, tu vois. C'est vraiment le truc gamin, oui. Super gentil. Ça lui correspond, quoi. Parce qu'il est comme ça au fond, tu vois. Je trouve que c'est un dessin qui lui va bien, quoi. Bah, pour moi, il est tout à fait dans le trip pixel art, Mario, machin, ouais, tout ça. Ouais, ouais. Ça colle bien, mais bon, pour les cuissons, non. Mais alors, bizarrement, dans Minecraft, en pixel art, ça ressort super bien. C'est super joli, par contre. Ah ouais, j'ai avoué, il m'a fait voir, franchement, ça fait super bien. Ouais, ouais, les couleurs un peu bleues, jaunes, comme ça et tout, là, avec l'œuf en dessous, c'est... On dirait que ça rentre l'œuf en dessous. Ouais, moi, j'ai cru que c'était une tête de mort, de part en dessous. Ah bon? Moi, j'ai vraiment cru qu'il se rentrait l'œuf derrière, mais bon, c'est autre chose. Ah la vache. Alors, on va passer, donc, à son dessin suivant, qui est la maison de la loutre. Alors, la maison de la loutre... je dois avouer que voilà, j'ai mal vu, parce que c'est pareil, c'est pris en photo avec son téléphone. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est pas très évident, mais là aussi on se rapproche de Cosquer. Tout à fait. On est pas très loin. Et j'ai pas compris pourquoi il y avait deux couleurs différentes.
Je me suis dit, est-ce que c'est une loutre russe qui a un jogging Adidas, toi? Est-ce que c'est une loutre cambrioleuse ou... Ah ouais, non, c'est vrai, ouais, c'est pas faux. Pourquoi il lui a pas fait la tête colorée? Et Je sais pas du tout. Mais là, franchement, Chris, je t'embrasse, c'est magnifique. Bah, le truc, c'est que c'est pas trop visible. On sait pas s'il a essayé de faire de l'eau derrière, ou un lac, ou je sais pas. Ouais, je sais pas trop. Ouais. On dirait qu'elle descend des escaliers, en fait. ça me fait rigoler, quoi. On dirait qu'elle est là, elle fait « Oh oui, je descends les escaliers !» Oh mon dieu, quoi. Et franchement, il mérite quand même, parce qu'il y avait du boulot. Hein. Ah oui. Mais alors, le truc, y a, c'est que, bon, à sa décharge, tu reconnais quand même que c'est une loutre. Ah oui, là par contre, oui. Ou alors, tu sais ce qu'on dirait? Attends. On dirait deux mecs dans un costume de loutre. regarde les pieds, regarde les jambes. On dirait deux mecs. C'est ça. En fait, c'est ça qu'il a décidé. C'est deux mecs qui sont déguisés en loutre. On dirait deux mecs dans un costume de loutre qui descendent des escaliers. Il regarde le mec à l'arrière, on dirait qu'il est en train de tomber, quoi. Oui, bah il tombe là. attention. Oh putain, c'est énorme. Je m'imagine trop ça, quoi, c'est abusé. Oh, rien que pour ça, il mérite. Ah oui, j'avoue. Tu mérites de gagner, là. On va voir la suite. Donc du coup, dessin final de Christopher, c'est le la salamandre. Alors là, ça va chier, quoi. C'est le top. Maison de la salamandre, messieurs, dames. Qui est très Hakuna Matata, j'ai trouvé dans le style. Oui, alors par contre, la posture qu'elle a et la forme qu'elle a, tout le monde commence à le savoir, je bois beaucoup de bière en tant qu'amateur de bonne bière, et la salamandre de la marque Desperado a à peu près la même posture. D'accord, je sais pas, tu vois, je sais pas... Par contre, elle a une meilleure gueule quand même. Mais à mon avis, les graphistes, ils ont dû bosser. Quoi. Ouais, surtout sur les yeux. Oh putain. On va se faire tuer. Ils vont nous démonter. C'est clair. On sait pas si c'est un fantôme ou une salamandre, c'est assez... Ah non, c'est... Non, mais je pense que c'est un cadavre de salamandre, ça. Écrasé, ouais. Ah putain, il manque plus que les marques de... Tu sais, les marques de roues. Ah ouais, putain, quoi. Bon, donc voilà pour les dessins de Christopher. Merci beaucoup, mec, de ton intérêt, en tout cas, pour le concours. Franchement, t'as assuré. Alors c'est pas pour ta décharge, Christopher, je te le dis, moi j'aurais fait pire. Ouais, c'est clair, carrément, quoi. Voilà. Carrément. Donc merci à toi. On va passer, si tu le veux bien, au dessin de Sansa. Ouais. Alors là, par contre, il y a du level. Oui, c'est clair. Tu veux commencer par lequel? Alors on va commencer par, par la salamandre. Allez, la salamandre. Allez, par la salamandre, c'est parti. Salamandre de Sansa. Alors attends, par contre, il faut juste que je le... je peux pas le... Voilà, pivoter. Non. Attends, je tourne encore. Hop, voilà. Nickel. Donc là, ouais, effectivement, il y a clairement du level. Il y a du niveau. Voilà. C'est clair. Quand tu vois ça, tu te dis, bon, on est dans un autre niveau, là. Ouais. Il y a du level, il y a des détails, c'est assez travaillé. Forme est simple. Effets, ouais, mais il y a des effets d'ombre et tout ça. Franchement, c'est bon. Il y a du boulot là. Ouais. C'est, franchement, on a balisé quand on a vu le dessin. On a dit putain, le mec, il est fort, quoi. Ah, c'est clair que moi, je me suis dit, là, ça va être chaud. Ah ouais, respect. Vous avez vraiment respect sans ça. Tu t'es gavé. Tu as fait un très beau dessin, quoi. Ah, c'est clair, magnifique. Et en plus, je pense qu'il a fait ça dans un temps qui était assez court. Parce que du coup, il s'en aperçoit quasiment à la dernière minute du concours. Donc, je crois qu'il lui est resté un jour ou deux, même pas. Et franchement, pour le peu de temps qu'il a eu, il a vite griffonné des trucs comme ça et tout. Enfin, tu sens qu'il s'est impliqué. Moi, je l'ai eu par message. Il a dit que ça lui faisait super plaisir de participer, qu'il voyait que les gens étaient là, étaient présents.
Donc, Et d'ailleurs, tous ceux qui te regardent, ils devraient faire un tour sur ses streams, c'est franchement super sympa. Oui, exact, parce que Sansa est streamer, c'est vrai, par la même occasion, on peut en parler. Donc n'hésitez pas à aller le voir, il fait du Final Fantasy 14, si je dis pas de bêtises, online. Ouais, c'est ça. Donc ouais. Voilà, n'hésitez pas, c'est un mec en or, et il est là vraiment pour chacun de nous, quoi. Exactement. Du coup, ouais, donc super dessin de la salamandre. C'est clair. On va passer donc à son dessin suivant, qui est le dessin du corbeau, qui l'a pareil, très réussi, quoi. Alors tac, je vais le faire pivoter, excusez-moi. Hop, j'aurais dû le faire avant, mais j'y ai pas pensé. Ouais, mais là aussi, il y a du boulot aussi, là. Ouais, là aussi, il y a clairement du level. Franchement, c'est tip-top. C'est vraiment tip-top. Franchement, si j'avais su qu'un des gars qui allait participer dessinerait comme ça, j'aurais donné des règles beaucoup plus précises. Oui, moi aussi, je pense. Ouais, parce que je m'attendais pas à ça, honnêtement. Oh non, le corbeau est bien fait. Hein. Il a de l'allure, il a la prestance, quoi. Il est cool, quoi. Ah, il est cool. Vraiment, vraiment, quoi. Même l'œil. L'œil est cool, vraiment, quoi. Ouais, c'est clair. Non, c'est comme tu disais, en plus, il y a des effets d'ombre et tout. Non. C'est vrai que ça nous change des cadavres et puis des déguisements de mecs. C'est sûr, c'est clair et net, quoi. Allez, bon, donc du coup, Sansa, un gros merci à toi. Merci de ta présence. Ouais. Et ça merci me fait plaisir. Ouais, merci beaucoup. C'est clair. À Serviette. Ouais, nos problèmes. Tiens, on passe sur la maison du bison. Allez, la maison du bison. Allez, le maison brûleur. Du bison, c'est parti. Alors, par contre, Serviette a fait 3 maisons. Il n'a pas fait celle de la loutre. Il comptait la faire, mais il n'a pas eu assez de temps, quoi. Donc allez, on passe à Serviette, qui a fait la maison du bison. Alors pareil, je fais pivoter l'image, excusez-moi. Tac. 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 Et je vais l'agrandir, histoire que tout le monde puisse voir à peu près la gueule que ça. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Eh ben, je trouve l'approche intéressante. On commence à arriver dans le thème, en fait. C'est pas encore ça, mais on commence à se rapprocher du thème principal. Je trouve l'idée intéressante, bien que les cornes, ça fait un peu trop serre à mon goût. Mais c'est une question de goût, après tous les goûts sont dans la nature. Hein. Alors moi je vais donner mon avis, Serviette, sincèrement j'ai failli te le dire direct, mais le dessin je l'aime énormément, parce que la typo est simple. Et le truc pour moi qu'il faudrait à ce dessin, c'est enlever le W, mettre la tête de bison à la place et lui faire une sorte de petite crête au milieu pour pouvoir faire le W en fait. J'avais pensé aussi et je me suis dit si on fait ça, ça risque de tout pourrir et en fait non, je pense que c'est une bonne idée. Bah, franchement, ouais, je trouve que c'est vraiment bien. C'est bien quoi. Mm. Ou alors à la limite faire passer le brawler entre ses cornes, tu vois, ou un truc comme ça, parce que c'est énormissime. Ou mettre le logo à l'intérieur des cornes, tu vois, en U, quoi, en ouais, fait. Tout à fait, c'est assez... Ça ferait franchement pas mal, quoi, à voir. Ouais. Donc il y a... C'est vrai que c'est pas con, ça, écrire brawler entre les cornes, ça serait pas con. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées, et puis voilà, noir, rouge, c'est simple. Franchement, il est percutant, quoi. C'est clair, mais là, c'est vrai qu'on se rapproche énormément du thème principal du concours. Oui, qui était à la base de réaliser justement les dessins des quatre maisons en faisant des écussons, des armoiries en tout quelque à fait. Sorte. Quoi. C'est-à-dire que moi, toi, je me vois très bien avec un bouclier avec 7 têtes de bison dessus, sans problème. Voilà, c'était ça le but en fait. Deuxième dessin, on passe à celui des corbeaux. Ouais. De la maison Cornelius, donc. Corbeau plein d'argent. Alors je vais donner mon avis, je vais commencer. Là on est sur un dessin qui pour moi il surpasse. Hein. Largement. Pour moi je suis à fond dans le thème là. J'adore cette image. Je la trouve géniale. Je trouve la typo sympathique, quoique un peu chargée quand même. Hein. Mais elle est sympathique, mais alors le dessin je le kiffe à mort. Je verrais bien des écussons avec ça dessus. Quoi. Bah, le dessin il est pareil, il est très simple. Et franchement, la première fois que je l'ai vu, mais d'entrée, ça m'a fait penser à un truc dark, un truc indien, un truc mystique, un truc ancien. C'est con, hein, mais je pense que c'est le coup des plumes et le coup du noir comme ça.
enfin j'adore la représentation quoi. Il pourrait jouer beaucoup plus sur les ombres, tu vois là, le Cornelius oui, par exemple le R ou quoi, faire les lettres mais les ombres des lettres au sol en fait. Ouais, ça aurait été mortel ça. Ouais, ça aurait été franchement mortel, comme si en fait t'avais une lampe derrière ou un truc comme ça. Ça aurait mais été c'est vrai que... terrible. Tu vois, on va aller dans notre roleplay et tout, tu fais les drapeaux juste avec cet insigne-là. Ah, ça pète. Tu reconnais direct, tu sais des direct. Ça, c'est vraiment ultra sombre. Et puis, franchement, voilà, tu réfléchis un peu plus derrière, tu imagines un truc d'assassin ou... C'est clair. Ouais, j'aime beaucoup cette... Des rôdeurs, des trucs comme ça, c'est énorme. Ouais, franchement, dessin très, très, très sympa. Et donc, toujours pareil, toujours proche du thème. On est dedans, on est vraiment dedans. En plus, du coup, il a gardé le noir, si tu veux, et le gris. Ça fait vraiment presque de l'argenté, tu vois ce que je veux te dire. Ouais, ah oui, oui, tout voilà, à fait. Voilà, il est dans le thème, là, clairement. Ah, il est dedans, ouais. Enfin, oui. Il est en plein dedans, là. Du coup, dernier dessin, donc toujours serviette. Ouais. Qui est la maison de la salamandre à flamme noire. Donc, voilà. La maison Salastar, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc, en plus, elle est à l'endroit. Nickel. Je vais l'agrandir. Je te laisse commencer, vas-y. Eh ben, j'aime bien l'approche. Il y a un truc que j'aime bien dans ce dessin qui m'interpelle direct. C'est la petite flamme noire en haut et les deux salamandres. Après, la typo, je comprends pourquoi il a fait comme ça. Mais pour moi, elle passe pas, cette façon d'écrire Salastar. Ça passe pas. Par contre, le reste du dessin, je trouve, il est très bien. Pareil, je verrais bien un bouclier ou un drapeau avec ce genre d'emblème dessus, je reconnaîtrais tout de suite. C'est la typo qui colle pas pour moi. Alors moi, je pense à deux, trois choses, en fait. La première, pour te rejoindre, c'est la typo. Moi aussi, le fait que ça ressemble à la flamme en haut, ou à oui, un voilà, visage... Je pense que la recherche, elle est là. Il a voulu dessiner la flamme avec les lettres et tout ça, mais... Pas forcément aussi, parce qu'on dirait un visage aussi. Je sais pas si tu as capté, mais peut-être t'as les deux yeux, le L qui fait le nez. On dirait un visage dessiné dans les flammes. Ouais, ouais, c'est un visage dégueulasse, alors un peu comme serviette quoi. Ouais, mais moi ça me fait penser à ça, un sorte de visage. Mais après, le dessin est cool parce que le jaune et le noir comme ça, ça pète bien. Ouais, ça ressort, mais direct. Et moi par contre, j'aurais vu une troisième salamandre en haut. Moi, je sais pas, parce que je suis à flamme noire, toi. J'aime bien l'effet de la flamme et tout ça. Ouais, après, ça dépend de la position de la salamandre. Par contre, la flamme est cool. Ouais, la flamme est super ça cool. Ça fait carrément un beau logo, limite. En fait... Limite, la flamme suffirait. Ouais, toi, complet. Complet avec des, et entouré de jaune, tu sais. Ouais. Mais en fait, texto même, comme la salamandre, en fait. Pareil. Exactement. J'ai pensé à ça, et ou alors à la limite, la salamandre qui tienne la flamme entre ses bras. Tu sais, genre, allez à moi. Ou alors t'enlèves le Salastar là, et tu mets la flamme noire qui est au-dessus, là, tu la mets en dessous à la place du Salastar, un peu au milieu des deux salamandres, et puis tu laisses comme ça. À voir, mais en tout cas... Mais il y a aussi de la recherche, et c'est intéressant. Complet. Et alors je crois que Servette, d'après ce qu'il m'a dit, il a fait une école de dessin, si j'ai pas de bêtises. Ouais, donc je pense que si on lui avait laissé peut-être plus de temps aussi, il aurait fait quelque chose d'encore plus pétant, quoi. Peut-être plus recherché, encore plus travaillé. Voilà. Donc écoutez les amis, voilà ceux qui clôturent notre petit concours dessin. On donne le résultat maintenant. Ah oui, on donne le résultat. On a dirigé tout vers que tout, je pense que tout le monde a compris. Oui, tout le monde a compris. Servietsky, tu es donc le grand vainqueur de cette troisième épreuve. Bravo. Voilà. Alors, c'est pas que les autres avaient fait du mauvais ou du travail comique ou n'importe quoi, c'est juste que Serviette, il a tapé pile poil dans le thème. Exact. C'est tout, c'est juste ça. Je pense que les couleurs ont aidé aussi un peu, aussi, à ce rendre les dessins plus vivants, plus pétants, même si c'était pas demandé. À la couleur, on n'a pas... Voilà. Non, on n'a pas imposé de trucs. Faisiez ce que vous vouliez. Voilà, exactement. Vous avez fait tous du très bon travail, mais voilà, c'est vraiment celui qui se rapprochait le plus du thème, emblème. Voilà, si on doit foutre ça sur un drapeau, sur un bouclier, effectivement, le plus proche, c'est Serviette, clairement. C'est exactement ça.
Et puis du coup, alors, voilà, t'as la typo qui apparaît aussi, donc bon. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je voudrais juste dire à Chris que je vais quand même garder ses dessins et je vais faire des emblèmes avec, juste pour troller les autres maisons. Non, mais par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est se servir de certains trucs pour en faire des du pixel art, quoi. Sur le serveur Minecraft qu'on est en train de monter. Son corbeau, il tape en plein dedans, ça c'est clair et net. On va voir comment utiliser vos dessins. On va trouver des idées. On va trouver des idées, mais il faut que ce que vous ayez fait, ça serve à quelque chose. Et par contre, Serviette, on te le dit, à mon avis, je pense qu'on va avoir du taf pour toi. Ah, c'est clair. On va avoir du taf pour toi. J'ai déjà du taf pour toi. J'ai 2-3 idées. Il va falloir que tu me dessines des trucs. Parce que là, il y a moyen de réellement faire les vrais emblèmes, les vrais trucs. Voilà, à mon avis, on va les reprendre avec toi ou quoi, si ça te gêne pas, et puis de toute façon, on en parlera. Mais en tout cas, encore félicitations à tous, merci pour votre investissement, ça fait énormément plaisir qu'un concours à la con comme ça, vous ayez mis un peu de votre cœur. Oui, ça, c'est clair. Ça nous fait plaisir. Voilà. Et puis c'est pas fini, hein. Et puis c'est pas fini, il reste l'épreuve finale, mes amis, bien entendu, bien entendu. Bon, allez, sur ce, on vous laisse, passez une bonne soirée, allez. Amusez-vous bien, ciao. Vous embrasse tous, merci.